Ces deux pastels nous transportent tout droit dans l'Orléans du XVIIIe siècle. En 1751, le portraitiste à succès Jean-Baptiste Perronneau rend visite à son ami Aignan Thomas Desfriches et en profite pour réaliser le portrait de toute la famille. Aignan Thomas Desfriches est alors un négociant bien installé à Orléans, mais c'est comme un amateur éclairé qu'il souhaite se faire représenter, carton de dessin à la main et en robe de chambre. Quant à sa femme, elle opte pour la dernière mode et n'hésitera pas 20 ans plus tard à demander à Perronneau de transformer le bonnet de coton en une coiffure plus dans le goût des années 1770.